Ben ouais, quand tu es mené deux fois au score et que tu as le caractère et qu'on a eu pour venir deux fois dans le match, parce que surtout quand tu prends le deuxième à la 83e, tu te dis ça peut être une défaite et on a eu le mérite d'aller chercher ce pénalty et de le concrétiser. Ouais. Mais bon, on n'a pas joué là. Monaco a changé d'équipe, c'est plus la même équipe. Voilà, pour moi, ça fausse le championnat. C'est pas pouvoir recruter. Bon, et le mercato, ça existe, mais ce mercato d'hiver ne devrait pas exister pour moi. Hein, on a 3 mois l'été pour recruter un effectif, et l'hiver, il ne devrait pas avoir à part un joker médical, le reste, ça ne devrait pas exister. Pour l'équité du championnat, quoi. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, Monaco, c'est pas la même équipe qu'on a rencontrée en mois de décembre avant la Noël. Hein. S'il y a un regret à avoir, c'est peut-être plutôt sur la première mi-temps et les occasions que vous n'avez pas concrétisées à ce moment-là. Oui, c'était pas des occasions nettes, nettes non plus, mais on a eu beaucoup trop de déchets techniques dans notre jeu ce soir, cet après-midi plutôt, pour être encore plus performant. Voilà, il y a eu trop de mauvais contrôles, mauvais choix, mauvais espace. Quand on a eu un jeu saccadé, mais même si on a mis beaucoup d'intensité dans le jeu, mais trop de déchets techniques. T'as fait un double changement, tu voulais vraiment mettre un nouvel élan, qu'est-ce qui. Ouais, parce que je trouvais qu'en ronronnait, on est passé à 4 derrière, et même si sur le deuxième but on défend mal, on se fait aspirer comme si on était encore à 5. Voilà, il faut retrouver l'automatisme plus vite pour mieux défendre. Parce que les deux buts, c'est encore des grosses erreurs défensives de notre part. Le premier sur une touche, il centre, on n'est pas en marquage. C'est comme la semaine dernière contre Nîmes. Hein, premier corner, ça fait but. Là, c'est un manque de concentration de notre part sur les débuts de match. Et ce n'est pas la première fois depuis le début de saison. Hein. En gros, tu trouves que Monaco a vraiment changé Mais aujourd'hui, oui, je trouve qu'ils nous ont posé pas mal de problèmes, que ce soit Martins, que ce soit Lopez, que ce soit Falcao. Et, voilà, ils ont retrouvé des jambes, Golovin. Même Sidibé, c'était. Je trouve que ce soir, il a fait un match plus consistant que ce qu'il faisait depuis un moment. Et puis Balot Touré aussi, d'un autre côté, c'est costaud aussi. Ouais. Et Fabregas qui est capable de donner les bons ballons. Ouais, c'est pas la même équipe, c'est fini. C'est plus la même équipe de Monaco qu'ils avaient en début de saison. Hein. Et avec des gamins, aujourd'hui, c'est plus solide. Mais bon, ça nous fait perdre. On voulait 3 points, on n'en prend qu'un.